dans une interview accordée à Télévision Magazine, Julie Depardieu a fait part de son agacement quant aux mesures sanitaires prises par le gouvernement pour ralentir l'avancée de l'épidémie de COVID-19. À propos de trop dur, trop sévère, peu efficace. À l'heure où la question d'un troisième confinement est sur la table, certains continuent de contester les mesures gouvernementales pour ralentir l'épidémie de COVID-19, voire discutent l'importance de la crise sanitaire, alors que la France a enregistré plus de 73 000 décès depuis le début de l'épidémie et que l'apparition des variants change la donne. Dans une interview accordée à Télévision Magazine, Julie Depardieu, à l'affiche d'un nouvel épisode de la série Alexandra et l'os le 26 janvier sur France 3, a fait part de son agacement sur les différentes restrictions décidées par le gouvernement. J'ai envie d'aller voir des concerts. Je ne pense pas que le risque soit plus grand que lorsqu'on va faire ses courses dans un supermarché. C'est un virus. J'ai l'impression qu'on dramatise énormément la situation sanitaire, a expliqué la comédienne. Selon elle, tout dépend de l'état général. Et d'affirmer, on en fait beaucoup. Maintenant, on a peur d'agresser l'autre en lui faisant une accolade. Ça me fait flipper. Même pour les jeunes, c'est super dur. Le théâtre est en train de mourir, c'est horrible. La fille de Gérard Depardieu dénonce surtout les impacts de la crise sur le secteur de la culture, alors que les théâtres et les cinémas sont privés de public depuis le 30 octobre dernier. Très en colère, les professionnels n'ont pas hésité à exprimer leur détresse et leur indignation. Le théâtre est en train de mourir, c'est horrible. On répète une pièce, mais on ne sait pas si on va jouer. C'est grave ce qui se passe. Pour les musiciens d'orchestre et les chanteurs, c'est super dur. J'ai beaucoup de compassion pour eux, a confié Julie Depardieu, résumant les griffes du secteur. Crédit photo, Rachid Bellac, Best Image, Let's Block ADS. Why?